Capsule 22. Qu'est-ce que tu as ce matin? Zig Ziglar, né pour gagner. OK. Là, je suis dans comprendre la valeur et le but dans les choses qu'on fait. Okay. Je vais te raconter une petite histoire. Ouais. C'est l'histoire de trois tailleurs de pierre. Mmh. Ils font le même métier. Okay. Le premier dit « Je taille de la pierre ». Le deuxième dit « Je gagne ma vie ». Et le troisième dit « Je construis une cathédrale ». Alors, sûrement que le premier, quand il arrive à la maison, il est crevé, il est fatigué, il a fini sa journée, puis il a besoin de son espace. Le deuxième, ben, il a un but, il a un petit but, parce qu'il paye ses chèques de pierre. Probablement qu'il trouve ça assez répétitif, puis routinier, là. Peut-être qu'il cherche un autre job aussi. Okay. Le troisième, il travaille vite. Il a hâte d'arriver le matin parce qu'il a une vision. Lui, il fait quelque chose pour construire une cathédrale. Mmh, intéressant. Fait que sans vision, notre but, on n'a pas de but. Alors, je pense qu'on peut retenir beaucoup de ça. Mmh. Chercher son pourquoi, parce que la vision, c'est ça qui te mène. Mmh, pour le même travail. Oui. Intéressant. Hey, moi, j'ai fini. OK, là, c'est la fin. Oui, Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Puis aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est sur les erreurs. Donc, il y a le palmarès des 55 excuses, pas les erreurs, mais les excuses. Alors, évidemment, je ne passerai pas à travers, mais très intéressant, les excuses pour pas aller de l'avant, pour pas faire alors, ce les qu'on excuses, veut faire. Ouais. Mais c'est bien, il en met juste 55, je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Il dit même, chercher des excuses pour justifier ses échecs est un passe-temps national. Je pense que c'est à retenir. Platon disait il y a longtemps, la première et la plus belle victoire de l'homme est la conquête de soi-même. Alors qu'être conquis par soi est la chose la plus honteuse et la plus répugnante qui soit. Alors, il n'y avait pas de main morte. Alors, il faut se contrôler pour ne pas se laisser contrôler par nous-mêmes. Et un autre disait, qui est inconnu, « Quelle surprise ne fut pas la mienne lorsque j'observais que tout ce qu'il y avait de laid en l'autre n'était que le reflet de moi-même. » Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est... Et dans tout ça, c'est notre adversaire, c'est le temps. Et c'est un adversaire qui ne tolère aucune indécision. On fait le lien avec l'indécision. Il faut décider, il faut avoir un objectif, il faut savoir où on va. Sinon, c'est la vie qui va nous mener. Et je termine en disant, pour éviter l'échec, celui qui utilise est gratifié d'une merveilleuse récompense. La satisfaction qui appartient à ceux qui remportent la victoire sur leur moi et contraignent la vie à leur payer ce qu'ils lui demandent. Il faut demander si on veut recevoir. Si on ne demande rien, on ne peut pas recevoir. Évidemment, il faut faire des plans, puis il faut travailler pour. Alors, je ferme le bouquin Napoléon Hill, Réfléchir bon et devenir riche. C'était excellent, c'est un document de travail. Alors, super! À demain!